l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsqu'ils ont chassé Jephthé, ils ne savaient pas que Dieu approuvait les actes de Jephthé. Pendant que Jephthé était dans la brousse là-bas, il se préparait à devenir un chef en fonction du métier qu'il a choisi. Il se battait, il s'instruisait, il se cultivait, il se préparait pour être prêt. Et même quand le roi des Ammonites, quand il est parti avec eux, et qu'il envoyait un courrier au roi des Ammonites pour lui dire que « Pourquoi tu veux nous faire la guerre ?» Le roi des Ammonites que ton peuple a pris le territoire de mes parents. Jephthé va lui rappeler que Israël n'est jamais rentré chez vous. Voici comment nos parents ont eu le pays. Ça veut dire qu'il était cultivé. Donc, tu ne peux pas être un chef si tu es un culte. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a mis Adam dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver. David a dit, je suis plus instruit que mes maîtres. Ça veut dire qu'au départ, il n'était pas instruit. Mais quand il a su qu'il devait être roi, il a pris des dispositions afin que lorsqu'il sera roi, qu'il ne soit pas un roi diminué. La première des choses, Dieu a permis qu'il aille dans le palais de Saül pour apprendre la royauté, pour voir comment on mange à table, comment on se comporte quand on est un prince, quand on est un roi. Il a appris tout ça et il s'est instruit au point de devenir plus instruit que ses maîtres. Tu ne peux pas être un chef si tu es un ignorant. Tu ne peux pas être un chef si tu n'es pas instruit. Tu ne peux pas être le chef des diplômés si toi-même tu n'as pas de diplôme parce que tu aurais un complexe vis-à-vis d'eux. Et ils vont avoir du mépris pour toi parce qu'ils savent que tu n'as pas le niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es capable de dire aux gens, je serai votre chef, c'est que tu as la solution de leur problème. Dans tout le pays, personne n'a pu régler ce problème. Mais ils sont retournés à Jephthé parce qu'ils ont appris ce que Jephthé était devenu sans eux. Mais ses frères, qui étaient des fils à papa, ils n'ont fait que compter sur leur papa parce que leur père était riche, n'est-ce pas? Mais lui n'a pas compté sur la richesse de son père. Il n'a pas compté sur l'honneur de son père. Jephthé a été chassé comme un malpropre, comme un vaurien, comme un orphelin. Mais là n'est pas le problème. Ton enfant, ça, c'est ton service militaire. On peut te loger chez un homme qui te maltraite, chez une tante qui est méchante. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est que tu dois capitaliser pendant ta formation. Quand tu sors d'une famille désavantagée comme nous, tu as besoin de deux choses. Soit d'étudier, soit d'avoir un métier. Et si tu as le métier, tu dois être le meilleur dans ton domaine. On doit parler de tout.